Hey, bonsoir à tous, c'est RetroLab et bienvenue sur la RTV les amis. Ah, ma caméra est très basse. Comment ça perce? J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Eh bien c'est les premières heures de live de la journée, aujourd'hui 20h, et on part sur Guild Wars 2 tout de suite avec du guerrier pour aller faire un petit peu de PVP. Et donc je vais jouer à un guerrier. Je vais jouer à un hybride, assez intéressant, assez marrant, assez axé sur la défense, vous allez voir. Je me suis bien marré quand je l'ai testé, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le partager. Il y aurait sans doute beaucoup de choses beaucoup plus optiques que celui-là, mais celui-là il m'a beaucoup fait rigoler, surtout avec les classes qu'on a en face en ce moment. Donc du coup vous allez voir ça. Donc on va jouer déjà épée bouclier. Alors épée bouclier, donc intéressant parce que ça va mettre pas mal d'altérations, des compétences de déplacement très intéressantes qui en plus vont supprimer les compétences d'infirmiers, enfin les conditions de déplacement que vous allez avoir sur vous. Donc assez vraiment assez cool pour ça. La botte fatale qui va faire énormément de dégâts. Vous allez voir, très intéressant. Le coup de bouclier qui va stun et qui va lui aussi supprimer donc l'immobilisation. Et la posture du bouclier qui, elle, donc va bloquer. Vous allez voir qu'elle va faire plein d'autres effets qui va être intéressante. Vous allez voir. Donc, la rafale que vous allez pouvoir utiliser de façon. Donc, mon cher Taureau Picana, tu vas être content que je raconte ça dans le live. Parce que là, vous êtes en altération. Donc, vous allez pouvoir laisser le skill se développer en entier, mais vous pouvez aussi simplement l'utiliser pour immobiliser la cible pendant 4 secondes. C'est-à-dire de ne laisser que le premier coup d'épée qui va immobiliser et vous barrer. Ça va dépendre de la situation. Même si là, vous le laissez en entier avec un build qui va quand même être pas mal puissant en alté, ce sera pas du gâchis. Alors, ensuite, en switch, vous allez jouer masse bouclier, épée. Donc, on aurait très bien pu prendre un arc. Mais j'avais envie d'un peu emmerder le monde avec la masse parce qu'il y a pas mal de compétences intéressantes avec la masse qui sont arrivées. Donc du coup la masse intéressante pour son 1 qui va être... Enfin, c'est pas tant son 1 qui va être intéressant, c'est surtout quand vous allez taper avec votre 1, quand le mec il va être étourdi ou sous stupeur parce qu'il va prendre des stacks de vulnérabilité qui vont lui augmenter sur lui en fait les dégâts bruts et les dégâts par alté qu'il va récupérer. Le 2 qui va bloquer donc et contrer. Le 3 qui va mettre de la stupeur à l'ennemi, donc qui va l'interrompre. Le 4 à l'épée qui va mettre du tourment. Et le 5 qui va bloquer quand vous allez faire la contre-attaque, ça va infliger du saignement. Et très intéressant, très important, le F1 qui va infliger des étourdissements pendant 3 secondes maximum en fonction de votre adrénaline. Arrêtez de me MP, ça ne sert à rien. Dès que j'aurai des trucs à vous dire, ce sera par le live. Ne vous inquiétez pas, je lirai le chat. Je finis de vous écrire le build. Alors oui, je prendrai du monde, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je prendrai du monde. Il n'y aura pas de TS ce soir, mais je prendrai du monde. Alors, le signe curatif qui va vous soigner et qui, quand vous l'activez, vous soigne et en plus vous donne de la résistance maintenant, qui fait que les altérations subies sont inefficaces, donc ça peut être intéressant. Alors là, je prends du pas au petit. Je prends du pas au petit. La charge du taureau qui va donc supprimer aussi l'immobilisation, qui va renverser la cible. Le coup de pied qui va lui aussi supprimer l'immobilisation et qui va repousser le mec. On va servir de tout ça pour étourdir en fait, hein. La compétence physique qui est sympa parce que c'est un break stun qui fait un repoussement, enfin un renversement en zone qui est vraiment sympa et qui fait en plus un coup de grâce explosion. Ça peut toujours être utile. On va quand même pas cracher dessus vu qu'on nous le donne. Et en élite, la bannière, le signe ou le saccage, faites comme vous voulez, vous avez que l'embarras du choix. Alors, au niveau des aptitudes et de l'équipement. Alors, amulette nécrophage, puissance, vitalité, dégâts par altération. Ce qui va faire qu'avec la rune du gardien qui augmente la robustesse, la guérison et qui brûle les ennemis sur les attaques, vous allez monter donc à 1900 de puissance, à 1200 de dégâts par altération, 1200 de robustesse et vous avez quand même 100 de guérison. Les 100 de guérison qui sont là pour faire figuration mais qui sont quand même là. C'est surtout en fait la rune, on prend surtout pour la brûlure sur le blocage, parce que du coup vous avez une compétence pour brûler, une deuxième compétence pour bloquer et une troisième compétence pour bloquer qui dure longtemps en plus. Donc du coup c'est tout bénef, vous allez quand même faire pas mal de dégâts, vous allez voir en brûlure avec ça. Ensuite, au niveau des cachets d'armes, vous allez prendre le cachet de géomancie qui va infliger du saignement quand vous allez switcher. Vous pouvez très bien prendre à la place de celui-là le cachet de... Comment s'appelle-t-il? Je ne me rappelle plus.
Comment s'appelle le cachet qui augmente, ah, paralysie, voilà, qui augmente la durée d'étourdissement. Mais vous allez voir que c'est pas très très opti avec un des points de talent que je vais prendre. Vous allez comprendre pourquoi après. Cachet de malédiction qui met de l'empoisonnement quand vous allez switcher. Idem sur celui-ci. Et donc le cachet d'intelligence sur l'épée pour être certain de faire un coup critique sur votre botte fatale qui va faire des dégâts quand même assez élevés, vous allez voir. C'est assez, assez sympa. Alors, maintenant, au niveau des arbres de talent, vous allez prendre l'arbre force, l'arbre défense et l'arbre discipline. Alors ici, quand vous faites une esquive, vous infligez des dégâts. Les dégâts des compétences physiques, donc les trois compétences que j'ai là, sont augmentés et vous allez faire des dégâts en fonction de l'adrénaline que vous avez. Ce qui est intéressant, c'est que ça réduit de 20% le temps de rechargement de ces compétences. Les compétences de déchaînement vous rendent de l'endurance quand vous touchez une cible. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un point de talent que j'avais repéré sur, au tout début quand j'ai testé la mage. Étourdissement, stupeur, repoussement, attraction, projection infligent saignement à la cible et faiblesse. Donc ça veut dire que potentiellement, vous avez une compétence, deux compétences, trois compétences, quatre, cinq, six compétences qui mettent du saignement et de la faiblesse obligatoirement sur vos cibles. C'est pas des stats de fou, deux saignements, mais sur la durée d'un combat, ça peut être intéressant. Surtout sur un combat, vous allez pas mal bloquer, vous allez le voir, et pas mal contrôler le mec. Alors ici, vous obtenez des bonus de dégâts lorsque votre endurance n'est pas maximale, donc 10%. Et ici, vous infligez de la confusion lorsque vous interrompez un ennemi. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas vraiment bien de prendre le cachet qui augmente la durée des stuns, parce que du coup le mec quand il est stun il ne fait pas de compétences et du coup ça vous baise un peu votre confusion. Donc c'est pour ça que vaut mieux que le mec ne soit pas étourdi trop trop longtemps. Vous allez surtout vous servir de la masse pour faire un étourdissement, mais vous allez voir que même si le gars est étourdi longtemps, ça peut quand même être optimisé avec un autre point de talent. Donc du coup voilà, vous pourrez toujours vous amuser avec l'autre cachet. Alors ici, votre robustesse est augmentée lorsque votre santé est au-dessus d'un certain seuil. Ici, renvoie les projectiles et vous confère pouvoir quand vous bloquez. Donc je vous rappelle que vous avez pas mal d'occasions de pouvoir bloquer, hein, entre le bouclier, la masse et l'épée. Donc vous allez avoir beaucoup de blocage, vous allez infliger beaucoup de brûlures, vous allez renvoyer énormément les projectiles. Donc renvoi de projectiles avec les classes qu'on a actuellement, ça fait mal. Parce que les rôdeurs, les nécros, putain, hier on a eu un guerrier au fusil, je crois que c'est rien que pour lui que j'ai fait ce build. Un guerrier au fusil de merde là qui mettait des 10K en tapant de loin. Ah oui, le saccage est une compétence physique, c'est juste. C'est juste, mais je sais pas trop, c'est peut-être la seule, je la maîtrise pas en fait le saccage, c'est pas un truc que j'ai très bien, donc c'est pour ça que j'évite, mais oui, vous pouvez très bien prendre le saccage, hein. Donc je vous disais, ce coup-là, donc ce point de talent-là était excellent avec le guerrier, surtout qu'en plus maintenant ça réduit de 20% les temps de rechargement. Guerrier, c'est pas intelligence, non pas trop celui-là. Votre santé se régénère en fonction de votre niveau d'adrénaline. Les compétences de masse infligent 5 stacks de vulnérabilité pendant 10 secondes quand le mec est sous stupeur, renversement, projection ou étourdissement. Ça veut dire que plus le mec va être contrôlé, plus vous allez le taper, plus il va prendre cher des altés, plus il va prendre cher des compétences physiques. Donc c'est vraiment excellent. Quoi faire représailles quand vous bloquez une attaque. Donc encore une fois, le blocage est optimisé avec ce build-là. Et ici, lire purificatrice, vous la connaissez. Vous gagnez de l'adrénaline lorsque vous êtes touché. Et vous dissipez des altérations quand vous frappez un mec avec une compétence de F1. Donc assez intéressant. Ici, gain d'adrénaline lorsque vous changez d'arme. Vous courez plus vite lorsque vous maniez les compétences de corps à corps. Et vos compétences de déplacement dissipent immobilisation. Donc les compétences de déplacement, vous en avez beaucoup. Vous avez celle-ci, vous avez celle-là, vous avez les trois là qui suppriment l'immobilisation. Les changements d'armes se font plus vite. Dissipe les altérations lors des changements d'armes. Double cachet de malédiction avec les temps de chargement. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Quoi faire pouvoir lors du changement d'arme. Donc deux stacks de pouvoir et les compétences de déchaînement se rechargent plus vite. Et les compétences de déchaînement infligent plus de dégâts et restaurent votre adrénaline sur l'utilisation. Donc là, c'est un peu le choix par défaut parce que ben, les autres ne m'intéressent pas. C'est vrai que le cachet de malédiction, il est pas très utile parce que du coup, il a 9 secondes de rechargement. Le changement d'arme est à 5 secondes. Donc vous pouvez changer, il a raison, Toro Picana là. Donc du coup, vous pouvez prendre sur celui-là, par exemple, un cachet de sangsu qui peut être intéressant. Cachet de... Il y en a plein qu'on peut récupérer. On peut prendre, vu qu'il y a pas mal d'altés, on peut prendre aussi un cachet de pureté qui peut être pas mal, qui renvoie les altérations.
Alors, cachet d'impact sur l'épée, tu vas voir la botte fatale. Alors, le cachet d'impact, je crois que je ne l'ai pas celui-là. Et ouais, c'est pas con ça. Parce que du coup. Et ouais, du coup, 15% sur les ennemis renversés ou étourdis. Ouais, c'est pas con ça. Ça, c'est très malin, Toropicana. Je l'avais pas rodé ce cachet. Et c'est vrai que ça peut être intéressant avec ce build parce que du coup, les dégâts étourdis, vu qu'ils seront étourdis ou renversés quasiment tout le temps, ça va être intéressant. Donc voilà, donc cumulé à ce build-là qui contrôle beaucoup, qui met pas mal d'alté tout ça, vous avez une régénération de santé qui est quand même assez intéressante avec le signe, pardon, la santé surrénale, plus les blocages, vous êtes bien résistant et vous avez 28 000 PV, donc voilà, vous êtes plutôt bien. Je dirais que votre point faible vont être les altérations de masse, mais vous allez quand même pouvoir arriver à les gérer. Donc, ceux qui veulent me rejoindre, votre nom de compte tout de suite, c'est parti. Alors, vous venez avec des trucs que vous maîtrisez à peu près, s'il vous plaît, ce serait cool, parce qu'on part en classé. Classé, classé. Alors, allez-y, je vous attends. Qui veut viendre? Qui veut viendre? Allez-y. Deezer. 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 Sur cette de la masse, non, parce que du coup, j'ai pas trop d'intérêt à faire des gros. J'ai pas de gros coups avec la masse. Donc, du coup, il y a moins d'intérêt. Et de toute façon, il y a mes compétences physiques, hein, les compétences que j'ai en 7, 8, 9 font aussi renversement, tout ça. Donc allez-y, quoi. Alors, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir? Quelqu'un d'autre? Personne? Dernier appel. Dernier appel, dernier appel. Ok, 10 h, juste une pour toi, il n'y a pas de problème. Eh bien, go alors, on y va. Ouais, je me suis bien marré avec ce build, c'est assez sympa. Je suis pas certain que ça va être la nouvelle méta, hein, loin de là, mais on déconne bien avec ce genre de build. J'aime beaucoup, j'adore le principe en fait, avec plusieurs classes d'ailleurs, de taper moi et prenez cher. Le guerrier se prête parfaitement à ce genre d'exercice. Je pense que pour moi d'ailleurs, c'est celui qui le fait le mieux avec le gardien et l'envoûteur. C'est vraiment excellent pour ça. Regardez les vulnérabilités qui montent. 15 de vulnérabilité. Plus la confusion. Les mecs se fuient tout seuls, quoi. Avec tout ça, le pouvoir en plus chez vous qui monte. Bon, après, c'est des mobs, hein. C'est pas toujours aussi vrai quand vous jouez contre des joueurs, hein. Que ça marche à terre, ça? Ouais, ça fonctionne, je savais pas. Puis là, ce qui est bien, c'est que vous avez des coups quand même super puissants avec la botte fatale, là. La botte fatale en critique, plus le cachet d'impact, dégâts plus 10% sur les ennemis étourdis ou renversés. C'est des coups, en fait, c'est des coups qui sont monstrueux sans avoir à prendre de la précision, quoi. Donc du coup, c'est quand même très très fort, ça. Pour le coup.
Bon. Trois minutes. Ah, j'allais gueuler. J'allais gueuler, heureusement. Juste avant la gueulante. Ouais, 28 000 PV. Bah ouais, hein, là, j'ai le guerrier a déjà un bon pool de PV de base. Et après, cumulé à ça, l'amulette nécrophage qui monte la vitalité, ben, ça fait des trucs comme ça, quoi. Donc c'est intéressant. Et bonsoir Twilo, bonsoir à tous, bienvenue sur la RTV. Ce soir c'est que Guild Wars 2. PVP pendant 2 heures et après PVE. PVE. Faut que j'avance pour faire mon bâton légendaire. Mais il a fait là, ça va aller. Premier live. Eh bien bienvenue alors, bienvenue en live. Toujours beaucoup plus sympa de regarder les vidéos en live. Hein. PVE, what? Et ouais, PVE, je suis obligé pour faire la légendaire. Me manque pas pour mon bâton. En fait, il me manque que à faire Ara. Parce que du coup, Lilafey m'a donné une superbe option qui me plaît beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a en face, au lieu de dire des conneries? Oh, trois gardiens. Ça va brûler en face. Ça va brûler, ils vont nous envoyer beaucoup de brûlures. Guerrier et rôdeur. Putain, j'aurais bien voulu avoir du nécro pour le coup en face là. Pour leur renvoyer leur. J'ai dit un gros mot? Qu'est-ce que j'ai dit comme gros mot? Ah, PVE! Peut-être ça mon gros mot. Le match va bientôt commencer. Maintenez vos positions, emparez-vous des leurs. Ok. Je vais aller au close. Alors, tu as découvert la chaîne grâce aux vidéos YouTube de Star Wars. Star Wars, il y en aura demain, si ça t'intéresse. Je sais plus à quelle heure, mais il y en a demain. Je crois que c'est 20 h demain. Les chutes d'eau sont à vous. Vous avez perdu la carrière. Ah merde, j'ai cru que j'étais à la... Ça commence très bien ce combat. Ah! Mais c'est un seul. Wow, wow. Ah, les brûlures que je prends, c'est pas pour déconner, quoi. Aïe, aïe, aïe. Allez, elle tombe. Oh oui! Oh là là. Ça va être tendu là. Vous avez perdu le cimetière. Il aurait peut-être fallu se décaler bien plus tôt, quoi. Ah bah il a bien compris. Ah nickel. 10 heures là. Il a géré. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Au mid, il y a beaucoup de... Au mid, il y a des gardiens. Beaucoup de gardiens. Ça bloque à mort. Ça brûle à mort. Et donc moi, je vous rappelle
que je vous ai dit que c'était quand même mon... ce que je craignais là. Donc il faut que je fasse attention à ça. Les altés. Il a juste des capes. Et merde! Oh là là, deux. Aïe. Eh putain. Ah, je peux pas gérer contre les deux là. Bon, je vais retourner du coup chez nous. Ah, il y a déjà 10h qui va. J'aurais dû aller chez eux. Bon, tant pis. Je vais me décaler après. L'envoûteur y va, c'est bien. Parce que j'ai l'impression de faire des combats en infériorité numérique quasiment tout le temps, là. On va aller forcer à se décaler. Les chutes d'eau sont à vous. Vous avez perdu le cimetière. Ok. On va le laisser là. Vous avez pris la carrière. Ah putain, la portée de ce truc quoi. Chaque fois je me fais niquer quoi. Ah bien ça. Bon, pourquoi ça l'a pas tapé? Est-ce qu'il y a toujours des classes qui arrivent à tenir contre 3 personnes? T'as des classes qui tankent bien, mais après... Enfin, c'est quand même chaud hein, de te dire contre autant de monde, quoi. Oh! Ah putain, dans le blocage! Cette blague! Je rate toutes mes compétences, quoi. Attention à lui là. Oh! Est-ce qu'il vient de lui mettre dans la gueule? Je suis prête à tout déchirer. C'est presque prêt. Allez! Ah! Voilà! Oh la bannière de merde! Ah!
Bon, bah c'est dur, hein. Les trois gardiens, ça me gaffe quand même là. Il est temps de provoquer de Vous avez pris la carrière. Ok, donc ça c'est bien, on préserve le point. Vous avez perdu le cimetière. Le fire de merde! Oh la vache! Oh la vache! Vous avez pris le cimetière. Vous avez perdu la carrière. Oh, je suis un peu tendu en vie là. Glenn est tout seul. Oh là là! Ah oh, putain! Dans le blocage quoi! Le craignez-moi quoi! Ou alors le fier, je sais pas trop, le fier du. Le fier du. Comment il s'appelle? Du loup. C'est tout à fait possible aussi. C'est chaud patate là. Je vais aller chez eux. Ah putain. C'est tendu là. Charogne! Je suis tout seul là? Eh non! Deux, mais. Ça va se perdre. Dommage! Vous avez perdu la carrière. Ouais, pas tout fait. Là, je pouvais pas faire un... Oh là là, putain, mais je suis encore à 1 contre 15 là. Et voilà. Super! Super!
J'ai toujours été en infériorité numérique pendant ce BG. Sans exception. J'ai fait un seul combat qui était faisable, en fait. Ils se sont beaucoup mieux déplacés que nous c'était vraiment anarchique, quoi. Il y a Deezer et Glen qui ont... Deezer et... non, je sais pas si c'est Glen aussi. Deezer et Glen qui ont bien fait le taf à se décaler à chaque fois, mais... C'est simple, on a un gardien. Je n'ai pas l'impression de m'être battu avec lui une seule fois. Ah bah là, c'est mort. De toute façon, on n'aura plus rien. Bon, et bah dommage, hein. Ça ira mieux la prochaine. Bon, moi j'ai fait n'importe quoi avec mes compétences aussi, faut avouer. J'en ai mis la moitié à côté. J'ai beaucoup de mal avec la portée de mes compétences Mes compétences physiques. Il va falloir que je prenne une ou deux parties pour bien les avoir en main. Parce que là, j'en ai jeté beaucoup à côté, quoi. Malheureusement. En fait, le problème, c'est que dans les combats où on était, vu que c'était toujours de l'infériorité numérique, j'ai quasiment pas pu essayer de DPS. J'étais toujours en train de me défendre, toujours en train de bloquer, toujours en train d'essayer de me tirer et de pas crever. c'est un problème quand c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai que 10h s'en allait. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, je vous montre le build, même si c'est vrai que la première partie, ça n'a pas été très glorieux pour le build, mais je vous assure que là, il y a eu des... Les circonstances dans lesquelles j'ai joué, c'était très compliqué. Surtout qu'en plus, les gardiens qu'il y avait en face, qui bloquent beaucoup, qui vous avec là en plus, qui vous mettent de la brûlure. C'est vraiment les trucs qui sont très emmerdants pour ce genre de build. Donc voilà, c'était tendu. C'était quand même tendu. Je suis pas tombé non plus avec les classes qui m'arrangeaient le mieux, quoi. Christo, c'est quoi déjà ton nom de compte à toi? Je veux bien te grouper, mais faut que tu me donnes ton nom de compte. Ah bah 3149, d'accord, toi tu t'es appelé comme direct. J'ai pas vu. Christo 3149. Ok. En plus le pas de cul quand même. Le rôdeur qui avait en face, c'était pas un rôdeur. C'était pas un rôdeur piou-piou comme on en voit beaucoup. C'est vrai que. C'était pas la meilleure équipe contre laquelle je pouvais tomber, c'était même une des pires contre lesquelles je pouvais tomber. Mais voilà, j'ai quand même vu des trucs sympas. J'espère que les prochains groupes sur lesquels on va tomber, ce sera un peu plus traditionnel, on va dire. Enfin, traditionnel du moment. Histoire que je puisse vous montrer un peu ce que ce build a dans le ventre. Super, super butin. Alors après, vous inquiétez pas, les prochains builds de guerriers seront des trucs un peu plus. Enfin, il n'y a pas encore trop de méta, mais qui se rapproche plus de ce qu'on a l'habitude de voir que celui-là. Lui, c'était vraiment un truc pour rigoler qui finalement s'est avéré être assez sympa à jouer que quelque chose de vraiment conçu pour la win en team. Hein. Peut-être que ce genre de build serait très bien, mais avec une compo un peu différente autour de lui, qui s'articule autour de ses compétences défensives, justement. Ce sera à tester.
Quelle est la différence entre classé et le normal? Et ben, c'est un peu pareil que sur les autres jeux. Hein. C'est que t'as logiquement, tu as un ladder, mais là, je crois qu'il n'y est pas en ce moment vu qu'il y a eu la mise à jour. Puis tu tombes contre des teams un peu plus formées quand même. C'est souvent un petit peu moins le bordel qu'en non classé. Même si ça, c'est pas vrai à chaque fois. Y a beaucoup de teams en classé qui sont des fois complètement, complètement ridicules. S'il y a d'autres personnes qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à me laisser vos noms de compte après. Si vous avez si vous avez déjà réussi à trouver un build qui vous botte dans cette nouvelle, composition. J'ai prévu de faire quoi en PvE? Eh bien, ce soir, logiquement, on devrait aller faire Ara, si on a du monde, en mode Explo. Alors, je sais pas trop quel parcours on m'a conseillé de faire. Je me rappelle plus, il faudrait demander à Eddie Lafay, qui est là. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera du hara, parce que c'est les dernières choses que j'ai à faire du coup pour faire le bâton. Et voilà. Et voilà. Mais oui, hein, vous pourrez venir, hein, vous pourrez venir, bien entendu. Hein. C'est très bien. C'est très bien. T'as fini l'explo alors? Oui. Oui, j'ai fini. J'ai fait ça en une journée. Et il a fait tu te tais. Non, 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 j'ai pas fini, j'ai pas fini. Je n'ai point fini. C'est juste que du coup, il a fait m'a proposé une option qui est tout à fait envisageable. Mais Retro, tu as fait la story, donc en PvP, tu peux farmer les tokens maintenant. Oui, mais le truc... C'est que les tokens sont liés, d'accord? Et que c'est pas moi qui avais crafté le bâton. Voilà. Lilafée va me vendre à un moment donné. C'est elle, en fait, qui va me crafter le bâton. Donc, du coup, elle a besoin des tokens. Et donc, bah, du coup, je vais faire Ara avec elle pour l'aider. Mais je sais même pas ce que ça représente, en fait. Combien il faut de tokens et combien on va devoir faire de Ara, je ne sais pas. En tout cas, ça me met en joie de savoir que je vais faire mon bâton. Mais ça me met moins en joie de savoir que je vais devoir farmer une instance, quoi, vous voyez. Mais bon, avec franchement, quand on fait des soirées comme ça, en live avec Cliff Duver, tout ça, c'est cool, quoi. Franchement, c'est sympa. C'est pas aussi chiant que tout seul, quoi. Après, je vais pas aller dire jusqu'à... je vais pas aller vous mentir en me disant que c'est vraiment... que c'est devenu ma grande passion et que je fais ça en dehors des lives. mais c'est vrai que du coup, avec les viewers comme ça, c'est assez cool, quoi. Ah bah voilà, la compo d'en face, déjà, va être un peu plus... Il n'y a pas de rôdeur et il n'y a pas de micro, quoi. Putain, et ça fait 2 jours que je fais du PVP, 2 jours qu'à chaque partie, il y a 1 voire 2 nécros et des rôdeurs arc long. Le jour où je prends un build qui va bien contre ce genre de merde, il n'y en a aucun, quoi. Bravo. C'est toujours comme ça. C'est tout le temps comme ça. D'aussi loin que vous pouvez prendre mes vidéos dans les parties que j'ai fait sur YouTube, à chaque fois que je fais un build, vous êtes certain que dans ma partie, je tombe sur le truc qui n'a jamais joué et qui va bien contre mon build. C'est la loi de l'emmerdement maximal. Le match va bientôt commencer. Alors, after ce soir, oui, pourquoi pas, mais pas très très tard. Pas trop tard. Pas jusqu'à 3h comme hier, parce que ce sera pas possible pour demain. Mais si vous êtes vivant et que vous êtes nombreux, il se peut très bien qu'on afte ce soir.
Tropicana, je t'invite juste après. Le jeu te déteste. Non, non, après aussi, il y a de la parano. Hein. Tu sais, au bout d'un moment, tu deviens paranoïaque. Ils sont deux. Deux. Je vais essayer de les tenir un peu. Vous avez perdu les chutes d'eau. Qu'est-ce qu'il a pris? Mais ce qu'il a pris? Je suis prête à tout déchaîner. Gain d'adrénaline. Oh, 2 contre 1! 2 contre 1, les gars! Oh non, il est mort lui. Mais mon gars, c'est pas sérieux ça. Vous avez pris la carrière. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe dans les autres points? Pourquoi ils sont tous partis du mid? Bon, allez, moi je vais là-bas. Vous avez perdu la carrière. Ah, par contre, si ça se décale pas un peu plus que ça chez nous, ça va être la merde. Les cette game. Chutes d'eau sont à vous. Ouh, j'ai l'impression qu'on est tombé avec une team. On est tombé avec des gars là. Ça va être tché-tché là. On va garder les XT du coup. Vous avez perdu le cimetière. D'accord. Votre base est attaquée. Ah, ça, je pourrais jamais le tuer celui-là. Lui, je peux jamais le tuer. Trop de purge pour la vie que j'avais là. Oh, la team! La team! Oh là là! Les gars, ils ne servent à rien, quoi! Ils ne servent à rien! Le voleur, là! Le voleur qui est avec nous, mais c'est une grosse blague, là! Le mec, il arrive à se faire tuer par le guerrier au sol, quoi! Oh là là! Oh là là, les gars! Putain! Mais c'est un truc de dingue! Je peux pas jouer avec des teams comme ça, c'est pas possible. Il faut absolument que vous veniez avec nous, quoi. Putain, et là, faut savoir qu'on est en classé, quand même. Vous voyez, avec ce qu'on joue, on est en PVP classé, quoi. Regardez les gars qui taguent en classé, c'est honteux, quoi. Comment... Mais il est mort où, ce con?
Vous avez perdu la carrière. Ah, c'est pas jouable. Non, mais sur des games comme ça, c'est pas jouable, quoi. Ah, la foirée. Ah, putain, voilà. C'est pas possible, quoi. Faut pas que tu restes sur le point, Glenn, quand y a un gardien qui est comme ça, quoi. Sors du point, t'es en envoûte, hein. Ah non, je vais leur laisser le point, que ça aille plus vite, là. Je veux pas les détails. Votre seigneur est attaqué. Votre seigneur est attaqué. Vieille habitude, Glenn. Ouais. Ouais, faire attention. Quand même fragile, quoi. Là, quand t'as un gardien comme ça qui balance des zones. Il t'en faut pas beaucoup pour te faire prendre, quoi. Votre seigneur est attaqué. Votre seigneur est attaqué. Bon. Votre seigneur est attaqué. Surtout qu'en face, je sais pas si vous avez vu les mecs quand même. C'était pas ouf, hein. Vous avez vu le premier combat, quoi. C'est vraiment pas dingue. C'est vous dire le niveau des gars qu'on avait avec nous, quoi. Le voleur, notre voleur, c'était un malus. Pas que notre voleur, hein. L'autre aussi, là. Le deuxième, c'est pareil, hein. On était à 3 contre 2. On était à 3 contre 2. Je fais tomber le premier gars. Il y a le guerrier qui est là, le guerrier arrive encore à tomber, le voleur et l'autre gars qui était avec nous. Non mais c'est pas possible, quoi. Alors, Taureau et Junkie, eh ben c'est très bien qu'on ait une team complète là, parce que bon. Ouais, venez me sauver les gars. C'est pas possible. Là, je peux pas jouer avec des teams comme ça toute la soirée, quoi. Enfin, je peux pas. Je peux pas sans péter un câble, quoi, vous voyez. C'est toujours la petite nuance de la soirée, quoi. Allez, go. Bon, par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu que le build peut être efficace. Il peut faire des choses intéressantes. Bon, alors après, c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait une team avec vous, hein. Mais là, vous avez vu sur le début, j'ai fait... Donc, j'étais à 2 contre 1 au départ. À la toute fin de la barre de vie du guerrier, il y a l'autre qui est arrivé. Mais j'aurais pu le tuer sans trop de problème. Parce que le voleur, en fait, se tuait tout seul sur moi en m'attaquant. Et le guerrier, bah, c'était la même. Et donc, vous avez vu, et ce qui est intéressant, c'est que vu que vous avez des contrôles à l'infini, quasiment, le guerrier n'a jamais pu raise son allié. Et ça, c'est quand même super intéressant. T'étais pas seul, on était sur le côté. Ah, ouais, bah peut-être, je ne sais pas. Bon, c'est pas le problème. C'est surtout de voir que enfin j'ai pu faire au moins un combat depuis 2 BG qui ressemblait à un combat qui était utile, quoi, qui a servi à quelque chose.
Bon. T'as toujours un de... Maintenant, il y a un de ces peuples ici. On a même plus de mobs. On n'a même plus de mobs, tellement il y a de monde. Ils devraient rajouter quelques mobs, je crois, dans le cœur des brumes. Ils devraient faire les mêmes de l'autre côté, je sais pas trop où, mais qu'on a un peu plus de maps, parce que c'est vrai qu'on se marche un peu dessus ici, maintenant. Bon, alors il y a l'effet nouveauté de la mise à jour, hein, qui fait qu'il y a du monde, mais même avant la mise à jour, il y a des fois où c'était compliqué. Depuis les méga serveurs où il y a du monde, on se retrouve des fois à pas pouvoir avoir de mobs pour tester. Bon, après, vous l'avez vu dans la partie qu'on vient de faire. Il y a aussi des mobs en... Il y a aussi des mobs en tournoi, hein. En PvP classé ou non classé, vous avez des mobs. Bon, ils n'ont pas des noms de mobs, mais... Enfin, quoi qu'il y a des fois, je me dis... Je suis pas de salaud, mais quand même, il y a des fois, vaudrait peut-être mieux avoir des mobs. Je l'attaque pas, c'est bon? Allez, j'y vais alors. Alors attendez, ceux qui sont sur le test, je vais essayer de vous switch. Connected. Ah bah c'est bon. Channel switched. Sound microphone muted. Ok, bon. Bon, ça n'était pas glorieux ces deux premières parties là. Ça va faire du bien d'avoir des... Ça va faire du bien d'avoir du monde. Bon, ceux qui veulent récupérer le build, prenez-le. Allez-y. Allez-y, vous verrez, c'est très sympa à jouer. Alors après, il faut essayer d'être un peu moins manchot que ce que j'ai fait. Surtout sur la première partie, pas trop la deuxième, mais surtout sur la première. À pas rater vos compétences qui mettent des plombs à se recharger, notamment le piétinement. Là. Bon, 36 secondes, c'est pas la fin du monde, hein, mais c'est vrai qu'il vaut mieux quand même pas le rater. Parce que c'est vrai que du coup, vous devez quand même faire bien attention d'interrompre au bon moment. C'est pas toujours évident quand vous êtes en partie. C'est toujours très facile de le voir après coup, mais quand vous êtes en plein stress de combat, des fois on n'est pas toujours très lucide. Et donc il peut arriver que ces compétences partent un petit peu, soit un petit coup trop tôt, soit un petit coup trop tard. Et du coup vous interrompez pas et vous mettez pas la confusion, ce qui est quand même un des points assez importants du build. Hein. Ça, s'il y a des rôdeurs au mid ou des nécros avec les blocages, ils prennent trop cher. Ils prennent trop cher. J'ai pas encore une nécro quoi. Ah, je veux un nécro là. Un nécro puissance, s'il vous plaît. Donnez-moi cette joie. Ah, il y en a un. Il y a un rôdeur aussi. Ah. Bon. Deux gardiens à prendre, ça me saoule. Ça me saoule. C'est ce qui m'embête le plus là.
Alors après, qu'est-ce qui pourrait venir me contester? Un gardien pourrait venir. Bon, c'est pas trop le style en ce moment, mais ça pourrait être le style. Si c'est un alté, le rôdeur peut venir conteste. Le voleur vient conteste régulièrement aussi. Bon. On va dire que c'est... On va dire que ça va le faire. Va bientôt commencer. Maintenez vos positions, emparez-vous des leurs. Personne a priori. Vous avez pris la carrière. Petit focus au mid là, est-ce qu'il y en a un? Vous avez non. Perdu les chutes d'eau. Attaquez ma cible. C'est la tour. Je me demande si c'est vraiment le bon plan, le rôdeur là. Le nécro plus là. Waouh! Le rôdeur c'est pas un bon plan les gars, il résiste beaucoup. Il est mal là. Oh, j'ai ça. Les chutes d'eau sont à vous. Putain, mais ça tient le mid là. Ah, mais deux gardiens, d'accord. Bon, je vais rester là, moi, du coup. Attendre le repop. Est-ce qu'ils vont le rattaquer leur point là? Et ouais, regardez. Liche, attention. Ah non. Ah non, c'est la... Pas de liche. Je suis prête à tout déchirer. Ah. Ok. Interruption. Allez. Voilà. C'est presque prêt. Vous avez perdu la carrière. Passer au mid. Centaure.
ce combat d'autiste. Bon. Ok. Vous avez pris le cimetière. Ah, la stab. Oh, mais il y a deux bunkers. Putain. Ok. Ah. Ton chat bug? Pourquoi mon chat bug? Attaquez ma cible. Vous avez pris la carrière. Ah! Stupeur, allez! Bon! Ouais, c'était plus facile celle-là déjà. Ça change d'avoir des vrais joueurs. Alors pourquoi on me disait que mon chat bug? J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas ou quoi? Super butin. Bonne chasse. Pierre 4616, c'est qui sur le chat là? Non, 4618, pardon. Salut, Kaml. Salut.
Alors ouais, on ne voit pas connecter en fait. Ça vient d'avoir un désenvoûteur qui change là. Alors, Rétro, j'ai une question sur Arc, sur quel serveur? Car je pense que je vais prendre le jeu. Alors, je suis sur le serveur PVE officiel 266. Et voilà. Et donc, je vous rappelle que si vous voulez prendre le jeu, vous avez des prix qui sont assez bas. Regardez en dessous du chat, vous avez le lien pour G2A. Vous avez une réduction avec le code que vous avez sur les RTV. Et déjà que le jeu est un peu moins cher là-bas, profitez-en quoi. Si vous comptez le prendre. Enfin, ce jeu-là ou un autre hein, d'ailleurs. Allez, Arène Classique, go! Mais t'es sûr que t'es enregistré sur le chat, Taïkrou? Ouais, bizarre. Bizarre! Bizarre! Demain, tu achètes Hot. Ah, très bien. Très bien, très bien, très bien. J'ai en ce moment des gens qui s'abonnent sur Twitch, là, maintenant, là. À la seconde où je vous parle, il y a un mec qui vient de s'abonner sur Twitch. Il a pas dû voir le message en gros. Nous sommes sur Hitbox. Aïe aïe aïe. Ceux qui veulent voir le build, je vous le remontre. Allez-y. Donc un build assez sympa à jouer, basé. Donc c'est un build hybride hein, qui fait des dégâts bruts et des dégâts par alté. Et donc axé sur les blocages, sur la défense, voilà. Et au niveau des équipements, le voilà. Donc l'amulette du gardien qui permet d'avoir de la brûlure sur les blocages. Donc les blocages qui vont donner du pouvoir, qui vont donner de la représailles, qui vont donner du renvoi de projectiles, voilà, du bon barbuck. Du bon gros barbuck. Abonne sur Twitch, tu es partenaire. Alors, je suis partenaire sur Hitbox. Pas sur Twitch, sur Hitbox. Ouais, je vois que Dream, ça a fait réagir énormément de monde. Mais il n'en pense pas moins. Hein. Il n'en pense pas moins. Tu vois, regarde, ça commence. Tu vois, les gens étaient très contents pour toi, mais c'était une joie contenue. Tu vois, c'était intérieur. Ah bah t'as le temps que ça tag, une petite pause et on revient tout de suite. Ne vous inquiétez pas, vous raterez pas le début.
Alors, on est de retour, les amis. Et donc voilà. Et donc, on vient d'arriver en partie. Alors, j'ai pas encore eu le temps de regarder ce qu'il y avait. Alors, en face, nous avons Necro-Rodeur, Ingénieur, Gardien, LM. Bon, c'est assez bien équilibré. Il y a un petit peu de tout là. Alors après, je suis quand même bien content qu'il y ait un Necro et un Rodeur, si ce sont des puissances tous les deux, ça pourrait être intéressant. L'ingé, ouais, ça peut être bien aussi d'avoir un peu de droit de projectile sur l'ingé, parce que les ingés sont quand même pas trop à l'aise contre les altérations. Le gardien m'emmerde et l'élème m'emmerde. Voilà. Mais sinon, les trois autres, ça va aller. Le match va bientôt commencer. Pam 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 pam. Maintenez vos positions, emparez-vous des loges. Ok, donc Aria. Par contre, si t'avais un build de tank. Dégâts là. Putain. Le premier teamfight du mythe, c'est pas d'autres points forts, hein, les gars. Vous avez perdu le cimetière. Vous avez pris la carrière. Ça va tomber les deux là. Le mythe, c'est bien. J'arrive. Vous avez pris le cimetière. Alors l'ingé, je sais pas où il est mort, s'il est mort d'ailleurs.
Ok, ça c'est très bien. Bah du coup, le fait de les avoir un petit peu déstabilisés, aller les prendre sur les extérieurs, ça les a un petit peu... ça les a un petit peu calmés. Vous avez perdu la carrière. Allez! Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Putain, tous par terre, aucun chevet, quoi. La blague. Encore une fois, c'est toujours ça qui nous... les éternels problèmes, quoi. Vous avez perdu le cimetière. Je suis prête à tout déchaîner. Je demande. Allez. Oh là là, putain là, les team fight quoi. Bon. On se réveille sur les achèvements, les mecs, là. Faut faire quelque chose, quoi, sur les achèvements. DPS ou faire un truc, quoi. Je vois la cible. Je pourrais... Vous avez pris la carrière. Oh! Putain, je suis seul? Et ouais. Vous avez perdu les chutes d'eau. Je tombe. Et... Exalté. Je vais aider là-bas. Les chutes d'eau sont à vous. Souffrir pour souffrir. Ah.
Oh les contrôles! Oh les contrôles! Je n'ai rien pu faire du combat quoi! Oh la vache, putain, c'est horreur! Reste! Ah, trop tard. Salut Jedi! Bon, super. Oh la blague, mais la blague! Putain, toujours en infériorité numérique. On a réussi à faire plein de combats, il n'y en a pas un seul des mecs qui a été achevé quoi. Oh là 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 là, putain. Là en plus on est une primède les mecs. C'est déconné là. Bon. Moi, je trouve que c'est un des charmes du jeu, comme l'absence de Trinité. Oui. Moi, je trouve que le manque de Trinité crée des trucs un peu OP quand même. Même si ça tend à, quand même, à s'améliorer. Ah, il y a eu des crashs aussi, d'accord. Est-ce qu'un jour je ferai une vidéo sur le PVP sauvage de Star Wars? J'en ai déjà fait un petit peu, mais j'en fais. En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a les pets. C'est pour ça que j'en fais pas trop de PVP sauvage. C'est qu'il y a les pets et ça me gave de jouer avec les pets. Donc du coup, j'en fais pas trop à cause de ça. En parlant de Star Wars, quel cas je vais jouer demain? Je ne sais pas. On verra. Toi, ce qui est gêne, ce sont les classes qui font tout et là-dessus, ils ont bossé, on peut pas le nier. Oui, mais ça reste encore un peu comme ça, tu vois. Ça reste encore un peu comme ça. C'est que c'est toujours un peu le cas. Je dis pas que ça va pas en s'améliorant, hein, c'est pas le problème, mais je trouve que l'absence de Trinité, ça crée un truc un peu bâtard et ça crée ça. Ça crée des trucs un peu comme l'élème céleste qui heal, DPS, tank, envoie de l'aldé, tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que moi, je préfère les jeux avec la Trinité.
Si j'avais le choix là pour Guild Wars 2, je le préférerais avec une Trinity, c'est certain. Ah bah non, ils pourront pas, de toute façon, bah de toute façon ils pourront jamais le faire, parce qu'ils ont vendu le jeu comme... Ils ont quasiment vendu le jeu avec ça. Donc voilà, après on s'adapte, hein, et puis du coup bah, on crée des classes et des builds qui sont... des classes et des builds qui sont comme ça aussi, mais le problème c'est que l'absence de Trinité, du coup, je trouve que... Elle crée des builds OP, parce que les classes sont... Du coup sont OP, toutes les classes sont OP finalement, parce qu'elles sont capables de tout faire. De résister, d'avoir des trucs de survie, d'avoir des trucs de heal, d'avoir des trucs de DPS, d'avoir des trucs de purge. Toutes les classes le font, et du contrôle, toutes, sans exception. Donc toutes les classes sont OP, ce qui veut dire que... Au bout d'un moment, on va trouver les builds qui marchent bien. On va trouver les builds qui fonctionnent bien. Et donc tout le monde va jouer ces builds-là. Parce que ces builds sont OP. Et je trouve que finalement, ça restreint le jeu. Je pense que l'absence de Trinité, tout le monde dit que ça ouvre plein de possibilités. Mais en fait, je trouve que ça les restreint. Parce que du coup, je trouve qu'au bout d'un moment, vu que les classes sont fortes, on trouve un build qui est au-dessus des autres. Et une compo qui est au-dessus des autres et qu'on n'a plus trop de choix. Voilà. Mais après, ce n'est que mon avis. Hein. C'est mon expérience de joueur sur Guild Wars 2 qui me fait dire ça. C'est que chaque mise à jour, c'est très intéressant parce que du coup, il y a plein de builds, on ne sait pas trop contre quoi on va tomber, c'est un petit peu la folie, tout ça. Mais après, au bout d'un certain temps, l'étau se resserre, les builds se peaufinent, on trouve des trucs complètement pétés, quoi, tout simplement, sur toutes les classes. Et si tu ne joues pas ça, tu es complètement out. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres... Forcément, il n'y a pas énormément d'autres possibilités pour pouvoir gagner. Voilà. Comme dans Guild Wars 1. Bah dans Guild Wars 1, il y avait une trinité. Il y avait tank, heal, DPS. Alors, pareil, tank, heal, DPS dans Guild Wars 1, tu avais une méta. Voilà, il y avait une méta, mais il y avait quand même plus de choix parce que justement, tu étais forcé justement de jouer dans cette trinité. Donc, tu avais quand même un peu plus de choix, je trouve. Mais après, voilà. Oui, il y a du beau et du mauvais dans les deux points de vue, c'est clair. Mais... Pour ma part, je trouve que je préfère un jeu avec la Trinité. Parce que je trouve que tu t'appuies plus sur plein de choses de tes alliés qui sont... C'est différent. Je trouve que la façon d'aborder un combat avec un jeu avec Trinité est différente de celle d'un jeu sans. Ouais, voilà, enfin, c'est... Après, encore une fois, je dis pas que j'aime pas ça. Regardez, hein, je suis dessus depuis 3 ans, je continue à jouer, j'aime bien. Mais dans le fond... Voilà, c'est vrai que dans le fond du gameplay, je trouve que la Trinité a vraiment du bon. Elle structure un peu plus le jeu, quoi. Elle structure le jeu, mais elle t'empêche pas de jouer des choses différentes. Voilà. Parce que là, je trouve que c'est un peu bordélique, les Guild Wars 2, finalement. C'est un peu bordélique, vu que tout le monde fait un peu tout. Il n'y a pas trop de rôle. Voilà, c'est un peu... Même si on est bien d'accord qu'à la fin, on est bien d'accord que le guerrier, machin, va tanker plus, que le voleur va faire plus être dans les dégâts, que le machin va être plus ça. On a tous des rôles plus ou moins. Mais c'est un peu moins souligné qu'avec un jeu avec une trinité. Voilà. Alors en face, envoûteur, gardien, ingé, LM, pas de nécro, pas de rôdeur. Alors, si tu joues heal en trinité, tu peux pas faire de variante. Bah bien sûr que si. Si t'as joué à Guild Wars 1, tu sais que quand tu joues heal, tu peux faire des variantes. Là, on parle de Guild Wars. Hein. Moi, je parle pas des autres jeux. Star Wars, c'est clair que t'as pas le choix. Mais t'as des jeux où quand tu joues healer, t'as plusieurs solutions. Guild Wars 1, c'est un exemple parfait d'un jeu où il y a une trinité et où t'as des multiples possibilités de pouvoir faire ta team. Bon, je vais au treb. L'ennemi a capturé le manoir. Un badgen qui va, c'est bien. Je pourrais semer un centaure. Vous allez semer. Attends.
Oh, blocage de merde! Votre trébuchet a été détruit. Un trébuchet ennemi a été détruit. Oh, les altés, putain! Là, je vais mourir. Votre équipe a trouvé un kit de réparation. Utilisez-le pour réparer votre trébuchet. C'est le tif là qui est en alté. Très mal. Te bats pas pour ton trèbe, bouge, 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 te bats pas pour ton trèbe. Oh putain. Ah, alors l'attention mid, attention, parce qu'on va prendre mid là. Ah, c'est normal, il doit être mort. Allez, putain! Allez, sérieux. L'ennemi a capturé le moulin. Ah! Je fais n'importe quoi. Beffroi capturé. Oh! Non! Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. J'ai activé mon signe de soin pendant le combat au lieu d'activer mon piétinement. Du coup, ça m'a un petit peu handicapé. Je suis prête à tout déchirer. Et elle se tape ce con. J'arriverai pas. Je vais mourir. L'ennemi a capturé le beffroi. Allez, 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 allez. Ok. Très chiant les stables là, du gardien. Donc, le mythe devrait être bon.
Attendre que le gardien repop. L'ennemi a capturé le manoir. Beffroi capturé. C'est bien sa junk qui va les contester logiquement. Est-ce qu'elle est morte? Ouh les altés. Ouh les altés. Attention, je tombe. Merci. Ah non! C'est parti. Attention à lui! Oh! Oh! Les compétences! Ok. Récupérer chez eux. Ah, dommage, j'ai cru que ça passerait. Ok. C'est parti. Manoir capturé. Oh, est-ce qu'il va me mettre en alté, lui? Oh, oh. Oh, je vais mourir. Ah mais c'est le voleur de merde qui était là, je l'ai même pas vu passer quoi. Oh la blague. Je me disais putain, est-ce qu'il m'a mis l'élème. Mais en fait c'était les venins partagés du voleur quoi. Du bunker au mid ou quoi? Ah, ça passe pas. Ok.
Bon, gagné. Votre équipe remporte la victoire. Cette map là avec un voleur qui bouge bien, c'est vraiment excellent. Alors, on a le temps de se faire un petit dernier, je pense. Allez, un petit dernier, avant le PVE. Retardons un peu le PVE. Ceux qui veulent voir le build, allez-y, prenez-le. Vous avez vu que ça fait mal, hein. Chaque fois que j'étais en duel, ça a gagné quasiment à chaque fois. En vrai duel, hein, pas un duel où je commence le combat avec 20 PV, quoi. Là, vous avez vu contre l'ingé plusieurs fois, le voleur aussi. Donc... Voici le build, donc amulette nécrophage, rune de gardien, cachet de géomancie, malédiction, ici cachet d'impact, cachet d'intelligence. Et au niveau du build du template, vous allez prendre la force, la défense et la discipline. Et vous prenez donc tous les passifs qui vont vous permettre en fait d'optimiser les dégâts sur votre pouvoir, sur votre blocage. Vu que vous pouvez quand même pas mal bloquer. Alors après, c'est vrai que là, c'est un petit peu exagéré. Il n'y aurait pas besoin de prendre autant de trucs de blocage. Vous pourriez très bien prendre un arc en autre set d'armes. Et prendre par exemple le masse bouclier, ça suffirait très bien. Mais bon, voilà, j'ai voulu optimiser à mort les blocages pour m'amuser avec ça. Mais encore une fois, vous êtes libre de modifier comme vous le sentez. Puzzle de l'arche. Alors on me propose le puzzle de l'arche, mais il faut vraiment que je fasse Sarah, en fait. Hein. De toute façon, même si, dès que j'ai mon bâton légendaire, je continuerai à faire quelques sessions PVE pour une raison simple, c'est que j'ai envie de faire tous les puzzles du jeu parce que j'aime bien ça. Voilà. J'aime bien les puzzles, ça me fait marrer. Donc vous inquiétez pas, on va les faire. Fais les deux, alors je sais pas si ça va être possible de faire les deux, on verra. Parce que je crois qu'on a demandé, pas mal de gens ont demandé du dino ce soir, donc pourquoi pas aller taper du dino aussi. Je te préviens, le puzzle est long. Alors ouais, alors a priori c'est ce qu'on me disait hier, c'est qu'il est long sur la durée et il est long sur la... Enfin, il est long à cause de la longueur du puzzle, mais aussi long surtout à cause de la difficulté, donc c'est surtout ça qui me fait un peu peur. T'inquiète Soya, relax, hein. J'ai eu des échos hier sur TeamSpeak, ça discutait pendant que j'étais en train de faire des trucs, là je les écoutais parler et ils m'ont pas donné envie. Hein. Ah mais relax, ils m'ont fait le topo hier, hein. Ça va. J'ai bien compris que ce serait pas une partie de plaisir. Mais il existe toujours le puzzle à l'Arche du Lion, là, où il y a le pirate, là, et où on doit aller dans la nuit, tout ça, là. Sauter sur les trucs dans la nuit. Ça existe toujours? Parce que lui, je l'avais fait, je me rappelle. Ah, il existe encore. Ok. Il était marrant, ce puzzle. On avait fait une chasse au trésor dans la guilde, et c'était la fin, ce truc-là. Lui, par contre, il est court. Ouais, c'est vrai, ça se fait vite. Allez, un petit dernier, ce serait cool, là.
D'ailleurs, faut remettre en place les activités de guilde. Ça peut être sympa à live. Eh bien, allez-y. Allez-y, là, les guildes, là. Faites. Faites. Là, moi, je suis pas connecté assez longtemps dans ma journée pour pouvoir organiser des trucs comme ça pour l'instant. Mais vous avez tout ce qu'il faut, les guildes, là, pour pouvoir mettre en place. Vous avez un TS, il y a un forum. Vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place des trucs. Alors, pour la dernière, qu'allons-nous affronter? Wouah, double guerrier, double gardien 1G, quoi. Y a rien qui m'intéresse. Putain. Y a rien qui me fait plaisir, là. Putain, la blague, y'a pas de rôdeur, y'a pas de nécro, y'a pas d'envoûte, y'a pas de voleur. Ah, je suis dégueu. Eh bien, ce sera comme ça. Tant pis. On peut pas décider. Bon. Elle me fait un peu peur, celle-là, je vous le dis. Hein. La compo d'en face me fait un peu peur. Hein. C'est vraiment les trucs que je redoute un peu, là. Guerrier avec la stab. Gardien avec la stab. L'ingénieur, ça va, c'est pas celui qui me fait le plus chier. L'ingénieur, c'est contrôle, surtout, qui m'embête. Mais, voilà. Et Gitu Style, bonsoir. Et bonsoir à tous. Dernière partie PVP et après on roule en PVE. Quel bonheur. Quel bonheur. Oui. PVE. Balthazir, bonsoir. Ça y est, t'as réuni la famille. Merde. Ah, c'est pas vrai, putain. Je vois la cible. Viens sur le point, mec. Vous avez pris la carrière. Il est temps de provoquer de véritables dégâts. Les chutes d'eau sont à vous. Il veut pas crever celui-là, quoi. Il veut pas crever, c'est un truc de fou, quoi.
Ils l'ont relevé encore, non? Ok. Ok. Bon bah ça va aller finalement. Il joue pas très bien en face donc. Super, merci RTB, bière et chips, c'est week-end. Ah et bah. Tu m'étonnes. Ça s'annonce très bien ça. Les chutes d'eau sont à vous. Vous avez perdu la carrière. Bon là le guerrier contre l'envoûte, l'envoûteur devrait avoir le dessus parce qu'ils sont pas très bons les envoûtes là. Bon là 2 contre 1, laisse tomber. SOS, j'arrive. Merde. J'arriverai un peu moins vite du coup. Et d'ailleurs il y a eu des nouveaux subscribers là. Qui est pas là d'ailleurs. Et ben merci hein. Merci les gars. Vous avez pris la carrière. Voilà, c'est bon. Oh la posture quoi. Blague. Oh putain. L'enfoiré, la vache. Bon bah je suis mort. Toujours moi qui fail. LOL. J'ai pas fail là. C'est pas moi qui suis mort hein. Ah, je me suis fait contrôler, mec. J'ai pas pu achever, hein. J'étais en train d'achever, j'ai essayé d'aller vite, mais je me suis fait contrôler par le guerrier, hein. C'est que des guerriers en face, hein. Moi, j'ai pas de stab, hein. Les chutes d'eau sont à vous. Ok. Ouais. Oh, ils sont pas ouf en face là. Trompé, qu'est-ce que vous avez là? Aïe aïe aïe. Ok, bon. Bah pour la dernière, elle était violente celle-là. Elle était lourde hein, celle-là. Celle-là, vous voyez, il aurait pas fallu que je sois dans l'autre équipe pour la dernière partie. Parce que ça m'aurait mis mal pour le PvE, vous voyez. Déjà que psychologiquement, il va falloir que je fasse un petit effort là. Je vais boire un coup, tout ça. Ouais, GG les gars. To be Z. Hello. Hello.
Bon, une petite pause de quelques minutes et on se retrouve pour du PVE. Allez, joie.